Bienvenue dans notre édition Fashion News sur Fashion Africa Channel, où l'on vous présente les dernières actualités et tendances de la mode africaine. Je suis Dodja Ndiaye, c'est parti. Rien ne rivalise avec les Oscars. La saison des récompenses 2021 a peut-être pivoté vers des cérémonies virtuelles, des apparitions pré-enregistrées et des moments de mode à la maison. Mais les Oscars ressemblaient à un retour en forme. Un événement entièrement organisé dans plusieurs lieux pour respecter les précautions de sécurité Covid-19. Ils ont fait ressortir les étoiles d'une manière que nous n'avons pas vue depuis plus d'un an. Tout comme les stars de l'âge d'or utilisaient leurs personnages à l'écran pour apporter de la fantaisie aux téléspectateurs pendant les moments difficiles, les invités semblaient déterminés à restaurer l'élégance, autrefois synonyme du grand écran. Les nominés et les présentateurs de la soirée ont tous fait un effort supplémentaire. Les looks scintillaient grâce aux détails artisanaux que les ateliers de créateurs mettent dans chaque pièce et à la tendance au style brillant. Le drame de la collection Valentino Haute Couture Printemps 2021 de Pier Paolo Piccioli est venu sur le tapis via la robe irisée, plus grande que nature, de Carey Mulligan, la jeune femme prometteuse ornée de perles et de paillettes. La réalisatrice Regina King a brillé dans une robe Louis Vuitton personnalisée, conçue par Nicolas Ghesquière et recouverte du plus grand nombre de cristaux Swarovski que la marque n'ait jamais utilisé dans un seul vêtement. Les modes étaient unis par le sens de la grandeur qui a défini l'événement pendant des décennies. Chaque star avait sa manière d'aborder le concept de la tenue des Oscars, mais tous ont honoré l'esprit de la cérémonie. Déjà versée dans la mode de l'âge d'or grâce à sa partie prune, Amanda Seyfried a ébloui dans les plis cramoisis d'Armani Privé qui se courbaient en forme de pétales de fleurs. Tout aussi séduisante était de glamour disco du look Valentino en mousseline de soie jaune fluo personnalisé de Zendaya. Accessoirisé à la poignée avec plus de 6 millions de dollars de Jam Bulgari, ce fut un moment Oscar outré digne du Cher. La barre de la mode masculine continue d'être élevée grâce à des stars expressives comme la star de Man Ray Black Bottom, Coleman Domingo, dont le look rose vif atelier Versace a animé le tapis. De même, la gentillesse imparable d'Alan Kim de Minari, dont le smoking Tom Brown était le look le plus abordable de la soirée, était exaltant. Après une année tumultueuse où même voir un film dans un théâtre était presque impossible, le spectacle des Oscars a pris un autre sens. Il y a plusieurs mois, l'idée de célébrités défilant dans des vêtements coûteux aurait été inappropriée, mais alors que le monde rouvre lentement, une nostalgie collective est apparue. Il faudra bien longtemps avant que le programme non-stop des répétitions et des soirées fantaisistes ne revienne, avant que la vue d'une salle remplie d'acteurs souriants à la mode des créateurs soit un habitué occurrence. En attendant, il y a de la beauté à retrouver dans toutes les nouvelles versions adaptées d'événements pérennes. Si le défilé de 2021 des spectateurs aux Oscars bien habillés prouve quelque chose, c'est que le glamour peut toujours sembler extraordinaire et transportant. Uche Ogbodo tue la grossesse avec style et grâce. La star de Nollywood Uche Ogbodo va être maman pour la deuxième fois et l'actrice passe le meilleur moment de sa vie avec son baby bump. L'actrice qui a baptisé son baby bump Bunny fait passer la grossesse comme une promenade dans le parc. Au cours des derniers mois, l'actrice nous a donné des objectifs de mode de grossesse, des objectifs de fitness pour les mamans sans perdre de temps. Elle a été assez ouverte sur ce voyage et a révélé aux fans qu'ils avaient tous le bébé ensemble à la fin de son voyage de 9 mois.
Uche Ogbodo nous a appris certaines choses en ce qui concerne le mode de vie de maternité, qui comprend l'exercice et une vie saine, sont très importantes pour la santé maternelle et aussi l'importance de tuer votre boss à la perfection. Dakar Fashion Week 2021. Le vendredi 24 avril, Adama Paris, l'organisatrice de la Dakar Fashion Week, a fait l'appel aux créateurs par un post via le compte Instagram de la Dakar Fashion Week. Une affiche comportant les procédures à suivre pour les créateurs voudront bien participer à cette Fashion Week. En ces termes, vous voulez participer à la Dakar Fashion Week 2021? Envoyez 6 photos de votre dernière collection à designer@dakarfashionweek.com ou remplir le formulaire sur www.dakarfashionweek.com. Nous rappelons que la Dakar Fashion Week est l'un des rendez-vous incontournables de la mode africaine qui fait vibrer toute l'Afrique en espace d'un week-end, où créateurs de mode, mannequins, personnalités télé, influenceurs de mode, artistes et médias de tous les horizons y prennent part. Elle a lieu une fois par an vers la fin du mois de juin depuis plus de 17 ans. Les mèches très longues de taille moyenne ou courte, les passions twist figurent dans toutes les vitrines digitales d'inspiration capillaire. Ces tresses aux finitions naturelles tiennent en ce moment la médaille des styles de protection au même titre que les box braids. D'où vient cette nouvelle tendance qui consiste à diviser une mèche en deux brins et à les enrouler ensuite les uns sur les autres dans un seul sens? Ce style se situe à l'intersection des torsades sénégalaises et des locks bohèmes ou DS et il fait clairement l'unanimité auprès de toutes. Découvrez nos inspirations du jour, source Elsi. C'était tout pour aujourd'hui sur Fashion News. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Je suis Dodia Ndiaye. À la prochaine. Et surtout, gardez votre passion pour la mode africaine. Bye bye.